Et salut à tous! Alors, pour 2022, j'ai décidé de prendre de nouvelles résolutions. On ne fera plus le... Et salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume. Salut à tous! Et bonne année 2022, bonne santé. Voilà, les amis, bien entendu, le nouveau passage de l'année. Ça y est, Guillaume, en un an de tes cactus. Voilà. Je crois qu'on n'a pas loupé. Alors, je crois, si, une semaine. Je crois qu'on a sauté une semaine, mais on l'a rattrapé après, je crois. Enfin, on en a fait beaucoup, hein, des tech actus. Ah, bah, une par semaine, hein, on les a fait. Donc, merci encore une fois d'être toujours plus présent. Et je le vois, hein, l'engagement sur le tech actu chaque semaine. Et vous êtes de plus en plus de monde à le regarder. Et merci, ça nous fait en tout cas très plaisir. Bon. Et dites-nous dans les commentaires quelles sont vos résolutions pour 2022. Alors attention, il est interdit de dire dans les commentaires ma résolution c'est 4K 1080p, on la connaît cette blague. Jigfio me l'a faite il y a une heure et je l'ai fortement grondé pour cette blague de niveau 1 sur 10 on va dire. Allez. Donc dites-nous dans les commentaires c'est quoi vos résolutions à vous. Et puis bah, pourquoi pas en parler en stream sur le prochain stream. Ah, d'ailleurs on en profite les gars, faut qu'on vous parle d'un truc très important. Donc ce mardi, ce sera très important parce qu'il va y avoir énormément d'annonces et GQ et moi on sera en live chacun sur nos chaînes Twitch. Tout à fait. N'hésitez pas à venir, vous avez le lien du live Twitch de GQ dans la description. Conférence AMD à 15h mardi, conférence Nvidia à 16h, conférence Intel à 18h, conférence ROG à 20h et conférence MSI à 21h. Toutes les annonces de produits, les boîtiers, les processeurs, les cartes graphiques, les cartes mères, tout ce que vous voulez, les écrans, machin, ils vont annoncer énormément de choses et on va vous faire un stream qui va commencer en début d'après-midi, qui va se finir tard le soir. N'hésitez pas à venir. Dans tous les cas, vous aurez des replays qui seront disponibles sur nos chaînes Twitch. On essaiera de vous faire aussi des petits tech actus hors série spéciales CES dès qu'il y a pas mal de news intéressants. Mais sachez que mardi, nous serons en live et puis bah n'hésitez pas. Et en plus, pour le live Rogue, ce sera assez particulier. On sera avec Loclear et Henri du Rire Jaune. Donc on pourra découvrir ensemble toutes les annonces Rogue à ce moment-là ensemble à 20h. Donc voilà, si vous aimez ces streamers, bah, on sera avec eux. Voilà, et puis bah, du coup, on va faire quand même pas mal de choses. Ça va être assez condensé. Hein. Il y a de fortes chances qu'on vous sorte un Tech Actu hors série, genre au milieu de cette semaine. Donc bah, restez connectés, et puis bah, l'année commence vraiment très très fort et très très vite. D'ailleurs, j'ai encore la tête de déterrer de la nouvelle année, mais enfin, allez, trêve de bavardage, Guillaume. Lançons ce Tech Actu, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro. Pour un peu moins de 12 euros. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20. Pour profiter des 30% de la chaîne, une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Voilà. Bon du coup, Guillaume, on enchaîne avec la première news insolite de cette semaine, de l'année d'ailleurs. Ah, ils nous ont fait une jolie blague pour l'année 2022 Asus. Certaines cartes mères ROG Maxi Z690 Hero peuvent brûler. Voilà, c'était la bonne blague. Alors, il y a un souci, c'est un condensateur, c'est ça ? Tout à fait. Bon, il y a un élément de la carte mère. Sur certaines cartes mères, il est placé dans le mauvais sens. Bien sûr, si vous avez un souci, ce sera pris en compte. Vérifiez quand même, c'est toujours intéressant. Vous avez le lien de l'article dans la description pour savoir comment détecter une bonne carte mère et une carte mère qui a potentiellement un souci et que vous devez envoyer en SAV, bien sûr. Mais voilà, c'était assez drôle. Assez original comme news pour bien commencer l'année. Merci Asus pour cette info insolite. C'est surtout, je me dis, c'est bête sur cette carte mère. Encore, ce serait en arrivé sur de l'entrée de gamme, pourquoi pas. Là, c'est quand même les cartes mères qui font partie des plus hautes gammes. On arrive déjà dans les Maximus. Sachez que c'est pas toutes les cartes mères, je sais pas quelle proportion c'est. Mm-hmm. Ça se trouve, c'est un très faible pourcentage hein, aussi. Bon, dans tous les cas, Asus a déjà fait du retour. Hein. Donc, ils ont dit qu'il va y avoir une campagne de retour pour toutes les cartes mères, même pas défectueuses encore, vous les renvoyez. Ils veulent pas prendre de risques là-dessus, on voit quand même le sérieux d'Asus. Hein.
Moi, en vrai, je vais pas renvoyer si le condensateur est dans le bon sens. Non, bah, là, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, pour les autres, pensez à le faire, vérifiez la référence de votre carte mère. Mais bon, on voit qu'Asus a été quand même très, très, très rapide là-dessus, et ils ont été efficaces, tu vois. Donc, bon, ouais, ça, bah, ça comme prouve... Comme d'hab, avec Asus, en vrai, ça marche bien, leur SAV. Ça prouve le sérieux de la marque là-dessus, en tout cas. T'es un peu loquace, comme truc. C'est assez drôle. Et d'ailleurs, il y a une autre news concernant Asus. Asus, ils ont créé un truc... Donc ils ont créé un adaptateur qui permet de placer des barrettes de DDR4 dessus, et cet adaptateur se branche sur des cartes mères en Z690 DDR5. Je comprends pas vraiment la création de ce produit, pourquoi ils ont fait ça, sachant que c'est vraiment pas esthétique, je sais pas ce que t'en penses, je dis, mais c'est archi moche. Au-delà de ça, déjà, on est sur une Apex, hein. On est sur l'Apex Z690. Elle est va nous parler de performance, j'en suis sûr. Elle est complètement nue, comme un verre, cette carte mère, avec un ventirad. Déjà, il n'y a rien qui va. Tu vois. Genre, qu'est-ce que... Pourquoi? Derrière, tu te dis... je sais pas si tu vois la hauteur de la photo, sur la photo, la RAM, plus l'adaptateur. Ouais. Mais déjà, le ventirad, je sais pas ce qu'il aspire comme air, mais il doit pas aspirer grand-chose. Hein. C'est ça, ça doit bien cacher l'airflow, tu vois. J'espère qu'en dessous, c'est le 12600K et pas au-dessus, hein, parce que... Catastrophe. Je comprends pas le principe de ce produit, et en plus, derrière, ils nous disent... Ouais, mais c'est pas sûr qu'on puisse mettre quand même qu'il y ait une tension suffisante pour alimenter les RAM. Bon, dans tous les cas, c'est un prototype, on sait même pas si ça va sortir, mais en tout cas, je crois pas trop à ce produit. Je sais même pas si ça verra le jour, non, un de ces quatre, donc bon. J'ai vraiment des doutes. Enfin, franchement, ça a l'air quand même assez chelou, quoi. Mais bon, ça restait la news insolite quand même de la semaine. Hein. Et sinon, on a Biostar aussi, donc qui ont mis à jour un truc qu'on vous avait dit il y a genre, je crois, un mois, comme quoi les A320 allaient être mises à jour pour les 5000, et je vous avais dit que c'était genre pas du tout une bonne idée. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on avait testé le PC Megaport, on avait un Ryzen 5 3500X était bridé par la carte mère. Il ne pouvait pas tourner à fond parce que ça n'allait pas, les VRM, l'alimentation du CPU, tout ça n'allait pas. Donc il ne tournait pas à fond, on regardait les perfs, et on avait moins que ce que tout le monde a avec un Ryzen 5 3500X à cause de cette carte mère. Et là, ils nous rendent compatibles ces cartes mères-là avec les 5000, mais on va rien y gagner, qu'il n'y a aucun intérêt de mettre un CPU Ryzen 5000 dessus parce que ça va pas bien fonctionner, on n'exploitera pas à fond le processeur, quoi. Et c'est surtout que sur la mise à jour, ils disent « Oh, ben finalement, ça a disparu du site et on sait pas trop pourquoi. » Ah, bah tiens. Je me vois bien acheter une A320M, les gars, et mettre un petit 5950X dessus et vous en faire une vidéo jusqu'au moment où ça va prendre feu. Voilà, c'était les petites news insolites de cette semaine. On enchaîne avec la promo de cette semaine. Et d'ailleurs, il y en a qui ont loupé ça. Si vous n'avez pas suivi nos réseaux sociaux, ben voilà, vous avez loupé des jolis kits. Tant pis pour vous, les gars. des kits GPU. Alors, attention, là, c'est un kit donc sur Memory PC. C'est le dernier kit qui reste. C'est sûrement le moins intéressant. On avait du RX 6600 à 679€ de souvenir. On a eu le RX 6700 XT à 999€. Et il nous reste celui-là à 949€. Alors, il faut comprendre que dedans, on a une carte mère Z590M et un kit de Vengeance Pro. Donc 16Go en 3216. La carte mère, c'est pas la carte mère la plus ouf qu'on peut avoir. Mais derrière, on a quand même une carte mère qui vaut 130€. Avec deux sticks de RAM qui vont environ 80€. Donc en gros, on a 210€ de produits en plus. Sachant que 949€, ben, c'est presque le prix du GPU solo. Ça reste un bon prix à l'heure actuelle. Je veux dire, quand on voit le prix des 3060 Ti, on en voit encore dépasser largement et allègrement les 800 balles, ben, ça reste OP de se dire que le GPU, on a une petite promo dessus, et puis au pire, soit vous revendez votre carte mère et la RAM, soit pour ceux qui veulent se monter un PC, ben, vous avez déjà le commencement. Il faudra partir sur du 10e ou 11e génération. Donc en tout cas, checkez un peu, parce que Memory PC ont l'air de mettre des mises à jour au fur et à mesure du temps. On a vu les deux autres popper, puis redisparaître, puis repopper, donc faites attention. En tout cas, vous avez le lien en description si vous voulez choper ce genre de promo. Par rapport à la situation actuelle, c'est toujours ça. Les gens nous disent « Ouais, vous nous dites c'est intéressant, mais c'est pas intéressant. » C'est intéressant par rapport au prix actuel. Voilà. Nous aussi, ça nous saoule d'acheter les GPU super chers. Hein. Moi, quand des fois, j'ai besoin d'un GPU pour une config ou un truc, bah, je paye le prix fort, ça me saoule. Mais c'est comme ça. Pas vraiment de responsable. Hein. Les gens essaient. Il y en a qui disent « C'est Nvidia, c'est AMD, c'est les mineurs, c'est les revendeurs, c'est les magasins. » C'est un peu tout le monde et personne en vrai. Hein. Nous, la seule chose qu'on essaye de vous proposer, ben, c'est le bon plan du moment, quand on peut, et au moment T, après, libre à vous de pas l'acheter, et puis vous faites ce que vous voulez, au final. Voilà. Bon, du coup, Guillaume, on va enchaîner maintenant avec le jeu gratuit de cette semaine. Enfin, le jeu gratuit. Les trois jeux gratuits, tu veux dire, bien sûr.
Bon, ça y est, hein, on arrive à la fin de l'année. Enfin, vous l'avez compris, c'est fini les promos d'Epic Games. Où vous pouviez profiter de plein de choses là, qu'ils nous offraient, etc. Nouveaux jeux tous les jours, là, ça repasse toutes les semaines, mais il y a 3 jeux cette semaine, et c'est 3 Tomb Raider. Ouais, bah c'est la trilogie hein, complète. Dont Shadow of the Tomb Raider, qui est un excellent jeu. Ah, oh, mais même les 3. Enfin, moi j'ai fait les 3, hein, j'ai kiffé la trilogie, et c'est vraiment génial. Mm. Donc vous avez jusqu'au 6 janvier, les amis, pour la récupérer, profitez-en. Voilà. On a God Wishfall en prochain jeu de la semaine, donc on sait déjà à quoi s'attendre. Voilà. Voilà, courant de semaine prochaine, vous savez qu'est-ce qui sera débloqué. Zou, Guillaume, on attaque avec les news de cette semaine, avec ben, le CES 2022, et on va ben, forcément parler de ces Zen 3D VKash. Parce qu'on saura toujours. AMD, ouais. Voilà, on sait toujours pas si ce sera des 6000 ou si ce sera des 5000 XT ou si. Enfin, la grande révélation se passera mardi, donc soyez là. Et puis, bon ben. Tu sais ce que j'en pense. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, petit rappel, juste, la conférence AMD, c'est la toute première. C'est à 15h. Je sais pas pour toi, Jig, mais je pense que moi, je vais commencer le stream vers 14h, 14h30. Hein, ouais, comme ça, on sera un petit peu en avance en live. Ça permettra de débriefer un petit peu ce qu'on attend du CES. Mais la conférence AMD. C'est 15h si vous voulez suivre en direct avec nous. Pour le coup, moi, je t'avoue que je suis un peu toujours sur la défensive de ces CPU. Moi, j'attends vraiment qu'ils nous parlent des Raphaël, donc des 7000. Les 6000, ces CPU, pour moi, c'est vraiment les CPU de l'arnaque. Hein. On aurait pu se passer des 11000 au final, tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, on passe avec une news Asus. Asus, ils ont fait des petites bêtises encore. Hein, Asus. Alors l'Asus, là, pendant une semaine, ils auraient mieux fait de ne rien faire, de rester inactifs, et ils auraient essayé d'éviter qu'ils fassent des gaffes. Alors là, c'est Asus, mais c'est Colorful aussi. Ouais. En gros, ils ont tous leak la liste de tous les CPU Intel qui arrivent. Quoi. Voilà, tranquillou. c'est... Donc bon, vous le savez, on se doutait de ce qu'il allait avoir, mais bon, voilà, maintenant... C'est carrément les marques qui leak directement les CPU, donc bon, il n'y a pas de problème. c'est un concept, hein. Mais je vous le rappelle, et vous allez le voir juste après, parce que ça nous permet de rebondir à ce niveau-là sur ces CPU, le 12400F, donc bon, 12400F, est sorti. On a déjà les boîtes qui sont mises en vente, donc ça veut dire que les CPU existent bien. Avec le Ventirad, pas les performances. Ventirad RGB. Ouais, non, juste bleu. Ouais, bleu, mais c'est déjà très bien. Ouais, lumineux. Pour le coup, le Ventirad ne serait pas si mauvais. Et bon, pour le coup, les performances de ce CPU sont pas si mauvaises apparemment. Hein. Mm-hmm. On taperait, moi, de ce que j'en lis, parce que là, ils l'ont comparé à un 11400, mais bon, l'intérêt de le comparer avec ce genre de CPU, non. Par contre, on serait équivalent, encore une fois, avec du 5600X. Donc, 200 balles, imaginons, un prix comme ça, tu vois, genre 200-220 €. Ça pourrait vraiment devenir très, très intéressant et devenir un incontournable, ce CPU. Bah, avoir les performances concrètes qu'on aura à la sortie, mais en tout cas, ça se confirme, ce CPU arrive, sinon il n'y aurait pas eu autant de leaks. Mais voilà, plutôt des bonnes nouvelles, juste à confirmer, une fois que ce sera annoncé, une fois que ça sortira, une fois ce sera testé, qu'est-ce que ça vaut vraiment. Après, voilà, je reste à me dire que suffira juste pour ce genre de CPU et que ce sera même mieux sur tout ce qui va être i3. Et d'ailleurs, juste, petite info, conférence Intel, 18h mardi. Du coup, ça nous permet aussi de rebondir, parce que je parle de i3, parlons-en. Donc le i3, 12300 et 12100 ont déjà été testés eux aussi. Et je t'avoue que moi, c'est les CPU que j'attends de ouf. Il y en a déjà, je le sens, qu'ils vont se battre pour avoir le i5. Moi, c'est vraiment le i3 qui m'intéresse. Les performances, les gars, de ce i3 vont être insane de ce qui leak. On devrait être équivalent à du 9600K. Je pense que ça va être un CPU qui va coûter 100 balles. Ah, 9600K, de toute façon, ça fonctionnait bien. C'est encore ce que mon père a dans son PC fixe Windows que je lui ai monté. Ça marche très très bien. Alors lui, il fait pas forcément de gaming. Mais même pour l'applicatif, il n'y avait pas de souci, tu vois. Donc, Bah, ça envoie du lourd et ça pine tous les autres CPU en 4 coeurs. Faut juste se rendre compte que le 3300X que je kiffais à l'époque, tu te souviens, se fait littéralement ramasser par ces CPU. Donc là, on a un équivalent hein, sur R23, il le montre. Il est à 6017 points. L'autre, il va se retrouver à 8569. 9 points, enfin les points sont juste décuplés, enfin c'est insane. Donc non, je suis vraiment content de ce genre de CPU et je me dis on va avoir des CPU parfaits pour le gaming à moindre coût. Ouais, pour des petites configs pas chères, à mon avis ça va être le top, les petits i3 là. Mais même pour tout le monde en fait, tu vois, je me dis quelqu'un qui veut juste faire du 1080p sans se prendre la tête, un i3, pas besoin d'aller plus loin, et ouais, c'est des CPU, j'ai vraiment envie de le tester, genre de ouf. Non, je m'attends vraiment à des choses vraiment vraiment sexy de ces CPU, voilà.
Vous le savez, ça arrivera sur la chaîne quoi qu'il arrive. Ensuite, on enchaîne avec le Ventirad, justement, donc les performances sur le 12400, qui consommait 81 à 89 watts en moyenne. Là, on nous annonce 70 degrés. J'ai vu un autre article qui nous parlait de 80 degrés dans 80. 20 boîtiers. En gaming, ouais. Je pense qu'on arrivera sur du 60, 65, 70 degrés, peut-être au plus haut, et puis... voilà, il ouais, ce qui en soi reste correct. Hein. Enchaînons justement après avec les cartes mères, parce qu'on a pas mal de B660 qui commencent à montrer le bout de leur nez. Et on a donc Gigabyte qui prépare 29 cartes mères. Alors on a quelques beaucoup photos. Beaucoup de... en DDR4, hein, on précise. Ouais. Il y en a beaucoup qui sortent plus en DDR4 qu'en DDR5. Hein. Bon, c'est des cartes mères qui ont l'air quand même assez solides. Tu regardes bien, on n'a pas une carte mère hormis vraiment l'entrée de gamme qui a genre un seul 8 pins. Même les Aorus Pro AX qui sont qui se veulent mid-gamme. Ah ben, tu vois que ça a l'air déjà assez costaud, donc je pense que du 12600K ça devrait vraiment pas poser de problème, même dessus, même sûrement du 12900K ça doit, j'espère, passer. Alors moi le seul truc vraiment que j'attends avec le B660 c'est les annonces de prix, savoir combien on va pouvoir les retrouver. Si derrière Intel arrive à sortir du B, enfin si on arrive à avoir du B660 pour les processeurs Intel et que c'est un prix intéressant par rapport au B550 d'AMD qui est à peu près l'équivalent, là clairement ça peut faire pencher la balance pour l'entrée et le milieu de gamme. D'ailleurs on enchaîne hein, puisque toutes les autres news parlent de ça, on voit les autres cartes mères, alors là on a du H670 qui est déjà mort dans l'œuf. Entre le B660 et le H670, il n'y aura pas de grande différence. Elles sont un peu crades, hein, je trouve, les cartes mères côté Asrock. Je sais pas ce que t'en penses. On a vu les Gigabyte juste avant. Et là, je vois les Asrock juste après. Franchement, là, je vois les deux. Rien que là, tu vois, juste au visuel, j'ai plutôt tendance à me renseigner sur du Aorus, tu vois. Bah, je me dis surtout que Asrock, ils n'ont pas fait d'effort, tu vois. Genre, ouais, elles sont trop moches, quoi, leurs cartes. Je me dis, est-ce qu'on va avoir peut-être une carte mère plus haut de gamme, là, tu sais, on a peut-être que l'entrée de gamme et tout, mais... Mais même, tu vois, regarde leur B660, c'est tout du 1x8 pins. Oui, ce que je te dis, c'est... ça fait vraiment de cheapos, quoi. Et du coup, on a Asus et Messi aussi qui ont leaké leur carte mère, et on voit là, par contre, chez Messi, c'est assez sexy. Là, on a la Mortar, pourtant, c'est vraiment l'entrée de gamme Mortar. On est déjà sur du lourd, j'ai l'impression que c'est des blocs un peu comme les Tomahawk avec des blocs en alu pour les refroidissements des VRM. Au niveau des bobines, tu vois qu'il y a l'air d'avoir de quoi faire, genre, je pense, genre 12 ou 14 VRM comme ça à la volée. Mm-hmm. Ça a l'air ok. La Bazooka, c'est genre la même configuration de ce que j'ai l'impression de voir. J'aime bien les couleurs vertes qu'ils ont mis hein, sur la Bazooka aussi. Et ensuite, t'as la Tomahawk, bon, bah, la Tomahawk, c'est plus grand chose. C'est le classique, on connaît. Hein. Après Asus, je sais pas si t'as vu l'entrée de gamme. C'est un peu comme Asrock. Hein. Ça fait peur. Hein. Ah ouais, ça donne pas envie. Hein. Même ne serait-ce que t'as vu les connectiques, on n'a pas de plaque Yoshield. Enfin, tu sais, elle est pas intégrée. Ça fait vraiment. Ça donne vraiment pas envie quoi. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et ce que vous attendez si vous attendez justement le passage au B660 pour pouvoir prendre le Intel et si vous êtes vraiment intéressé par ces cartes mères. Que moi aussi je puisse me placer et savoir ce que je vais faire en début de cette année. Parce que là, dans peu de temps, on va avoir des reviews de cartes mères. Mais que je sache si bah, ça vous tente ou pas. Ensuite, on va passer avec Alder Lake et l'IGPU en overclocking. Alors, ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur Clubic. J'étais assez content qu'ils en parlent parce que j'ai pas vu passer d'article chez quelqu'un d'autre. Alors Scatterbench les amis, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le voir sur YouTube. C'est vraiment très très intéressant et moi je regarde énormément ces vidéos parce qu'ils font des tests de tout et n'importe quoi. Donc en overclocking etc. C'est un peu rattaché à Overclocking TV. Ils ont réussi à gagner 61%. Alors c'est sur un test hein. Mais sinon en moyenne t'as pas loin de 50%. De performance sur l'IGPU du 12900K. Ce qui est assez fou parce que, on rappelle, Intel, ils sont quand même en retrait par rapport à AMD avec leur processeur G, là, les 5700G, 5600G. Ouais. 600G, ouais, voilà. Et ils sont en retrait par rapport à Intel. Sauf que si, en overclockant les IGPU Intel, on arrive à gagner 50-60% de perf en plus, possiblement ça rattrape les processeurs AMD. Donc ça reste intéressant en soi. Ben vous le voyez, hein, on passe de 52 FPS à 78, donc le gain est quand même assez insane. 48% de gain en plus. Je suis assez surpris moi de ce gain. Je me dis, il y a moyen vraiment que de venir concurrencer les CPU d'AMD. Après moi je t'avoue que ce qui me chiffonne un petit peu, c'est au final, est-ce que c'est HD 770, on va les retrouver sur les i3 etc. Parce que là c'est bien de nous dire un i9, mais sur les i9 on met une carte graphique. Donc
Enfin, moi, c'est, je trouve ça un peu dommage. Et de ce qu'on voit des leaks donc, qui sont sortis de Asus et de Colorful, si on prend les tableaux, on voit que, ben, par exemple, le 12400 serait avec un HD 730. Donc, ils n'auraient pas les HD 770 là qu'ils ont testé, et ça s'arrêterait sur le 12600K. Enfin, c'est un peu dommage. Ça enlève un peu le côté ultra fun de cette vidéo et de se dire, ben, on peut peut-être jouer avec un 12300 peut-être, ou un 12400. En soi, ce qui est intéressant, c'est en période de pénurie, là où c'est compliqué d'avoir un GPU, c'est bien de se dire qu'on peut se reposer sur les performances graphiques, même si elles sont très faibles, en attendant de trouver un GPU. Voilà, en tout cas, on verra une fois que ça sortira, et si les leaks sont justes, c'est juste dommage que bon, on retrouve pas ça sur les i3. Mais bon, voilà. En tout cas, vous savez maintenant comment overclocker votre GPU. Ensuite, on enchaîne, Guillaume, sur une petite news avec la DDR5 en 5200 CL40 de chez overclocking.com, et eux, ils ont découvert, via le Discord, etc., apparemment de chez eux, qu'ils retrouvent des kits avec de la MX et non plus de la Micron. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence, Jikyo? Voilà. Alors ça, je vous le dis, il y a encore quoi, même pas un an, je connaissais pas la différence entre les deux. Mais en soi, les microns, c'est moins bien. C'est ça, alors, sur la DDR5, alors on va reprendre déjà peut-être sur la DDR4 pour en parler un peu plus, parce que actuellement la DDR5, c'est encore un peu flou. Mais dans la DDR4, on avait par exemple la BIDIA 2, qui était la RAM que tous les overclockers cherchaient. Ensuite, on a eu la DJR à la fin, qui était futuriste, qui montait en fréquence de ouf. On arrivait moins à serrer les timings. Mais au niveau de la fréquence, on arrivait à... Ben d'ailleurs, je crois qu'on avait fait du 6000+, plus, 6000, presque 7000. Enfin voilà, c'était... Il y a des puces en dessous de vos RAM qui sont en fonction bah, de la CDI, IDI, voilà, de différentes marques, donc INX, Samsung, Micron... Il y en a 4, il me semble. Ouais, voilà, j'en ai oublié un dans le lot. Mais dans tous les cas, voilà, il y a différentes puces en dessous de vos RAM, et en fonction de ce que vous achetez, donc avec votre fréquence et vos CAS, eh ben, ça change la totalité de votre RAM. C'est pas parce que vous achetez du 3200, c'est d'une RAM Corsair que vous aurez la même avec du 3200 C16 de chez G-Skill. Et du coup, il y a plein de timings qui changent, il y a plein de petits paramètres qui changent, même si dans le commun des mortels, on ne voit pas grande différence. On vous l'avait déjà dit, il y a deux ou trois tech actus, justement, que la INX était beaucoup plus performante et que ça poussait beaucoup plus loin. Et là, le retrouver dans ces kits de Kingston Fury, ben, ça peut être très intéressant, justement, pour ceux qui veulent overclocker et passer au-dessus de ces 5200. D'ailleurs, ils en parlent, eux, ils ont testé ça sur de la Team Group Delta en 6400, tu vois, et ça avait des performances assez futuristes. On suppose que les puces INX en dessous sont de la même qualité, on espère en tout cas, que la Team Group Delta, et qu'on puisse arriver aux performances de cette Team Group. Et c'est ça qui est réellement intéressant dans la RAM, c'est qu'au final, ben, c'est la puce qui fait, et pas forcément l'XMP ou le prix qu'on va payer notre RAM. Donc faites attention à ça, et cet article est cool à prendre en compte, et il fallait que je vous en parle dans un tech actu. Alors GQ, la news suivante, nous allons parler de consoles portables. Il y a un nouvel acteur qui devrait arriver le 4 janvier. C'est l'Aya Neo, c'est ça ? Ouais, alors, nouvel acteur, pas forcément. Moi, je les connais déjà, Aya Neo. Si tu passes par là, coucou à toi, toute tes boucheries. Je sais qu'il en a acheté une et que c'est assez performant en termes général. Bon, alors, la console est plus grosse apparemment que le Steam Deck à la finalité, déjà de base. L'écran est plus grand, etc. Mais là, il y a surtout des nouveautés, parce que ce serait avec un nouveau CPU AMD. De base, ils pensaient que c'était avec les anciens, parce que ça devait sortir plus tôt. Et finalement, ça a été repoussé à... au 4 janvier. Ah tiens, étonnant. On se demande bien pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il y a le 4 janvier exactement, GQ? Ah oui, la conférence AMD du CES à 15h qui sera en direct sur notre live Twitch. Donc bon, vous avez bien compris où ça voulait emmener le truc. Et derrière, on devrait avoir du CPU AMD avec des RDNA 2 en puce graphique à l'intérieur, donc en APU. Ça pourrait envoyer du stack, mettre au-delà ben de booter la Steam Deck avant même sa sortie. Parce que je sais pas si tu te souviens, Guillaume, mais on a une Steam Deck à acheter qui a été repoussée. Ouais, je sais. Donc, on attend, on patiente. Je suis curieux de voir la Aya Neo si elle sort, la Aya Neo Next, si elle sort, ben pourquoi pas finalement changer, pas prendre la Steam Deck et prendre une Aya Neo. Bah si tu prends la Aya Neo, moi je resterai sur la Steam Deck et comme ça on pourra comparer les deux. On se fait un battle. Ouais, voilà. Eh ben écoute, on verra. En fonction, parce que bon, les prix des Aya Neo sont quand même beaucoup plus chers. Hein. On est quand même sur une base presque du double du prix. J'en ai vu passer à plus de 1300€, donc voilà. Ça a intérêt à être meilleur, en tout cas. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Ensuite, je laisse enchaîner sur une news qui va me faire très plaisir. GQO, hashtag GQO pas content dans les commentaires. Hein. Vous connaissez, comme d'habitude. RTX 3090 Ti
24 gigaoctets, la plus chère de tous les temps. On vous l'a peut-être mis ça dans le titre. À quel prix? Les Founders à plus de 2 000 $, c'était ça l'histoire? 2000 balles. Ouais. 2000 euros. Alors, a priori, hein. Elles vont être débridées au niveau du BIOS. On va pouvoir envoyer beaucoup plus de watts pour exploiter à fond la puce de la 3090 Ti. Donc c'est le moyen qui, enfin, je te dis, Nvidia, on peut pas m'aimer à mon avis. en tout cas, ils sont abonnés à ma chaîne. Hein. Ah oui, ouais. C'est vrai que t'avais dit que ça manquait de watts, la 3090. Donc bon, ça, au moins vous voyez que je vous ai pas menti dans ce que je vous racontais dans les vidéos, je m'étais pas trompé. Voilà, moi j'ai trouvé le moyen de faire une 3090 Ti dès le départ en fait. Voilà, vous devriez me remercier hein, si vous avez acheté les bons GPU dès le début, soit la Asus Strix, soit la Gamerock Palette, soit une Trio X. Pas la Trio X, la Supreme X, je veux dire. Enfin, les quelques 6 ou 7 GPU que je vous ai cités dans les vidéos que je vous avais fait sur les 3090, normalement, vous avez déjà une 3090 Ti, quoi. Vous avez déjà le BIOS plus permissif qui permet justement d'augmenter les watts. Et d'ailleurs, Jig, au niveau de la mémoire et au niveau du nombre de coups d'accord, il n'y a pas une énorme différence. Tu m'as dit, on augmente un petit peu la fréquence, enfin, le débit de la RAM, on passe à 21 gigabits, 20 gigabits. 21 à la place de 19.5, ouais. Et tu augmentes de 230 ou 240 cœurs CUDA. Soit c'est exactement la même chose que de la 3080 Ti à la 3090. Voilà. Ah ouais, c'était pas ça que j'avais eu. Ah oui, j'avais pas une 3080 Ti qui était plus performante que ma 3090. Ah si. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc vous avez compris un peu le délire, ça va être plus cher. Vous allez juste avoir un BIOS débridé. Et au final, bah, une carte qui va pouvoir tourner à fond. Je vous l'annonce déjà, ne l'achetez pas. Genre, j'ai même pas besoin de vous... Tu leur dis ça, ils iront pas voir tes tests si tu la testes un jour. Non mais... Dans l'éventualité où tu la testes un jour. Bah, de toute façon, la vidéo s'appellera comme ça, je pense. Hein. Qu'est-ce que je te dis ? J'ai même pas besoin d'aller la tester. Enfin, je le sais déjà, c'est certain. Ils l'ont fait avec tous les GPU, tous. Ça donnait la même chose. À un moment, arrêtez de prendre les gens pour des jambons, quoi. On sait que c'est des cartes avec 200 cœurs CUDA, que 200 cœurs CUDA, ça ramène littéralement 1% de perf en plus, et que en termes de la mémoire, ça va ramener 2%. Brut de pomme, comme ça, on va peut-être gagner 10%, mais les 10%, il y aura 7, 8, entre 7, 8, 9% qui viendront du BIOS, quoi. Ah, bon, sinon AMD nous font des choses un peu mieux. Ils nous font des trucs cool là pour le coup. Ils nous sortent une sorte d'évolution du FSR, on va dire. Enfin, je sais pas si on peut dire évolution. C'est le RSR, en gros. Et le concept, c'est que si vous avez une carte AMD, que vous jouez à un jeu qui n'est pas forcément compatible FSR, et ben en fait, vous activez l'option RSR, qui est à peu près similaire, dans votre panel AMD, votre logiciel AMD, et puis vous l'avez en jeu, en fait. C'est à peu près le même fonctionnement. Quels sont les diffs exactement, Jig, entre le FSR et le RSR? Alors, c'est basé, en fait, sur le FSR. Ce sera directement sur le FSR 1.0. Il faut savoir déjà qu'il y a eu des mises à jour depuis, hein, depuis que j'avais fait la vidéo et tout. Mais je sais pas si vous vous souvenez, le FSR était genre déjà ultra perf. En ultra quality, on gagnait des performances de dingue. Maintenant, imaginez-vous que ces performances, vous les gagnez sur tous vos jeux avec... avec une RTX. À partir du moment où vous avez une carte AMD, vous allez pouvoir activer cette option dans le logiciel AMD. Vous n'aurez plus besoin maintenant d'avoir un jeu compatible FSR avec l'option à cocher dans les options de jeu. Non, ça, il n'y aura plus besoin. RSR, et c'est bon. C'est la 8K qu'on nous a promis il y a 2 ans. On va voir avec ça. Elle arrive finalement, tu vois. Ouais. Voilà, mais c'est le seul moyen d'arriver parce que finalement, une 8K, ça va être un upscale de la 4K. Donc, mais on y arrivera. Je crois en la base de ces technos, même si pour certains, enfin, c'est le cas, c'est de l'upscaling. Moi je dis, si on arrive à faire ça et à gagner des performances pour les jeux compétitifs, etc., c'est bon. Jikyo, nous allons passer à la news suivante. Jikyo, tu es Nvidia et tu viens toquer à la porte de TSMC. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour, j'ai 7 milliards d'euros pour vous. Ah, bonjour, eh bien, merci d'avoir payé d'avance TSMC, vous avez accès en priorité aux 5 nanomètres. Bienvenue chez nous. Tu sais quoi? Ils l'ont payé. Tu te souviens ce que je disais au tout début? On faisait même pas encore les TKQ, on parlait de temps en temps des news comme ça, ou quand on en parlait en stream. Quand j'avais dit qu'ils sont partis de TSMC, et qu'ils étaient partis chez Samsung, qui avait un moins bon rendement et tout, qu'ils allaient le payer... Et ça allait leur coûter très cher, bah là on les voit, les 6,9 milliards. Alors après c'est un paiement d'avance, ouais, mais faut les sortir. Je veux dire, en attendant, je sais pas, toi, 7 milliards, toi, dans ton portefeuille, pas moi. Donc, non, pas encore, malgré toutes les sponsors, bon, je suis à peu près à 1 milliard, quoi. Voilà.
je pense qu'ils ont appris de leur erreur, Nvidia, ils ont pas envie de repartir. Moi, ce qui me fait peur, c'est justement que AMD avait dit qu'ils voulaient faire graver des choses chez Samsung. Et j'espère, j'espère, au grand Dieu, j'espère qu'ils vont pas faire graver ni les CPU, ni les cartes graphiques par la suite, quoi. Qu'ils vont vraiment garder ça pour des produits bien spécifiques et des petits produits qu'ils veulent pas faire par TSMC. Parce que justement, la news d'après, on parle d'AMD et qui est le troisième plus gros client de TSMC. AMD, donc, ils font tourner les usines TSMC, hein. Donc, alors pas à un level aussi haut qu'Apple, hein. Apple, c'est 25, enfin presque 26% de TSMC, ce qui est énorme. AMD, c'est un petit 6%, je crois. De souvenir, non, c'est 4,39%. On pourrait s'approcher du deuxième, donc 5,8%, qui est MediaTek. Voilà, mais bon. Vous les connaissez, MediaTek, souvent, c'est leurs processeurs sont dans les smartphones ou les tablettes. Donc, tout ça, ça va. Il y a des chances un jour AMD revienne sur le devant de la scène chez TSMC. Quand tu veux rentrer chez TSMC, ça coûte cher. Genre, on est en pénurie et ça le prouve. Les marques, les gars, doivent payer des prix ahurissants. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 7 milliards d'euros. C'est 1 dollar par être humain sur Terre. Enfin, voilà. À peu près, quoi. Ouais. Ça fait beaucoup, quand même. Ça commence à chiffrer. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Et d'ailleurs, Nvidia est assez surprenant parce qu'ils sont 6e, justement, parce que ils sautent plus rien, là-bas. Ouais, ils font beaucoup chez Samsung, mais bon, ça risque d'augmenter avec leur nouveau prépaiement, là. moi, ce qui me fait surtout rire, tu vois, c'est que ils ont gardé les GPU A100, donc les GPU Pro, tu sais, chez eux. Et je me dis, pourquoi regarder juste les professionnels, tu vois. J'ai vraiment l'impression, ouais, on sait que Samsung, ils sont bien moins bons, mais on a gardé les professionnels, c'est parce que les pros, voilà, il faut qu'ils aient de la qualité. Tu vois, pas que ça bug, ouais. Ouais, je me dis, c'est moi qui me fais des films, peut-être, mais en attendant, c'est un peu moyen. Et d'ailleurs, le troisième plus gros client qui pourrait revenir en remontada, prendre la place d'AMD, qui, eux, devraient être deuxième, c'est Intel. Parce que Intel, ont aussi prévu pas mal de choses, et dont les GPU gravés aussi là-bas. Ça introduit bien la news suivante, GQ. Bien sûr. La news concernant ce GPU Intel, le Arc Battle Mage, qui serait au même niveau, enfin qui serait même devant les GPU haut de gamme RTX 4000 et RX 7000 côté AMD. Donc, a priori, normalement, en 2023, donc dans un an, Intel est au même niveau, voire même devant, Nvidia et AMD en termes de GPU. Et ce serait fou. Ce serait un truc de malade, hein. Franchement, si c'est ça, ce serait trop trop bien. Alors si là, il y a des gens qui disent « Ouais, moi j'aime pas Intel, blablabla ». Non, 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 c'est bien pour nous les gars, parce que s'il y a Intel qui arrive avec des gros GPU, des moyens GPU, des petits GPU, on va avoir plus de choix, on aura des meilleurs prix. C'est ça qu'il faut retenir, le plus important, c'est le prix qu'on va payer. Et plus il y a d'acteurs qui proposent des GPU, mieux c'est pour nous. Pour le CES, alors on n'a aucune info nous, mais je pense que pour le CES, la mardi à 18h, la conférence Intel, je pense que ça va nous parler de GPU. Hein. Ah, on verra, j'espère. Bien, mais je pense qu'on va avoir des infos sur des GPU. Il y a trop de leaks pour qu'on n'ait pas des infos à ce moment-là. J'aimerais vraiment qu'on ait, mais pas forcément, au moins un petit performance en jeu ou un truc comme ça. Qu'on puisse voir un peu et se donner une idée, de se dire, ok, on a une équivalent à une 3070, ok, on a une équivalent à... Et puis j'aimerais bien avoir des petits GPU. Genre, ce serait bien qu'ils nous sortent une gamme d'entrée de gamme, qui se place là où les autres, ils vous ont délaissé pendant genre un an et demi, quoi. Genre... Au niveau des, d'une 3050, tu vois, qu'on aurait dû avoir depuis bien longtemps. Voilà, c'est ça. Et je me dis, j'espère que les gens vont s'en souvenir de ça, parce que quand les RTX 4000 vont sortir, ils vont vraiment se souvenir que, ouais, AMD et Nvidia se sont foutus de la gueule des gens en sortant des GPU entrée de gamme, genre un an et demi après la sortie des autres, donc pendant qu'ils vendaient des GPU à 1700-1800 euros, quoi. J'espère que les gens n'auront pas trop la mémoire. Et ensuite, on enchaîne avec les nouvelles technologies de SSD, Guillaume. Ceci est une révolution ou pas, du coup? Ah oui. Alors, 13,7 gigabits par seconde, 28,3 ampères, quand on est 400 par 2, Jigfio. Dans quel cas est-il utile d'avoir un SSD PCI Express 5.0 ? Oh bah on le dira à chaque fois que je vais lire une news comme ça. Je pense que quand tu enregistres en RAW 12K avec ta RAID, ouais, tu peux peut-être en avoir besoin. Bon, vous l'avez compris, on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans les Tech Actu. Enfin, selon nous, peut-être qu'on se trompe, hein, mais selon nous, PCI Express 5.0... totalement inutile pour 99% des êtres humains sur Terre. Alors j'en vois dans les commentaires à chaque fois, hein, quand on en parle, hein, qui des professionnels qui me disent « Ouais, mais dans une entreprise, machin, ça va me servir. »
Ouais, mais pour l'enregistrement de bouger des gros fichiers, oui, mais vous êtes combien de personnes à qui ça va réellement servir un jour, quoi ? Ah, faut pas oublier que, oui, alors il y a les entreprises, il y a les pros. Déjà, chez les pros, pas tous les pros qui en auront besoin. Dans les entreprises, tous les PC achetés, ceux qui ont besoin d'un PC Express 5.0 ou même 4.0 dans le PC, ça représente une faible partie de l'entreprise, sauf si on est chez Pixar ou chez je sais pas quoi. Enfin, il y a des boîtes où il y a vraiment des gros besoins. Ça représente une très faible partie des utilisateurs de PC dans le monde. Non, on est d'accord. Bon. On est d'accord. Bon. C'était tout pour ma déclaration, Zik. T'attendais autre chose ? Non. Bah, ça me permet surtout de rebondir sur. C'est bien, les SSD. On a des taux de transfert de plus en plus rapides. Mais voilà à quoi ça va ressembler sur nos cartes mères bientôt. Pourquoi ? Un beau système de refroidissement pour le SSD. Alors, sachez qu'un SSD ne fonctionne pas de manière optimale quand il est trop froid. Mais il ne fonctionne pas de manière optimale quand il est trop chaud non plus. Mmh. Donc, faut pas que ça surchauffe. Faut pas que ce soit trop froid. Mais voilà, un SSD PCI Express 4.0, ça chauffe plus qu'un 3, et un 5 ça va chauffer plus qu'un 4, donc préparez-vous à des chauffes plus élevées, possiblement à des systèmes de refroidissement adaptés à cette chauffe plus élevée. En même temps, ça paraît logique, hein. On arrive sur des choses qu'on doit refroidir plus passivement, parce qu'avant c'était bien, on était resté sur des blocs d'alu en refroidissement passif, ouais c'est bien, mais au bout d'un moment ça ne suffira plus, hein. Quand tu vois... Rendez-vous en 2028, GQ. Ouais. Tech Actu numéro 473. Hey, tu te rappelles quand on avait juste un bloc dissipateur passif sur nos SSD? Ah ouais, la belle époque et tout. Aujourd'hui, t'as vu tout ce qu'on doit mettre? On doit mettre des water cooling custom si on veut un SSD. Moi, je vois surtout liquide. un SSD quoi. Ouais, ok. Enfin, on y arrivera. Genre, c'est. On va nous faire des godets, les gars, pour refroidir les SSD. Vous allez voir. Allez, du coup, ça nous permet d'enchaîner sur les news. Les actus produits, les nouveaux produits annoncés. La semaine. Tout à fait. Ouais, voilà. Et on a que deux produits. On est un peu partagé. Le premier produit, moi j'aime bien. GQ est un peu plus en retrait sur cette annonce de produit, le Waterblock Thermaltech. Franchement, ça ressemble à un IO. Ça ressemble à un IO, mais c'est un custom. Ouais, mais ça ressemble à un. C'est un bloc pour Water Queen Custom. Et en soi, c'est cool qu'est ça. C'est-à-dire que tu te fais ton Water Queen Custom, en plus t'as ton écran et tout. Moi j'aime bien. J'aime le concept. Oh, je vais peut-être l'acheter pour le mettre dans un prochain PC. Moi je trouve que ça ressemble à un IO. Je vous en dis pas plus. Ça ressemble à un IO, oui. Et alors ? Dites-nous ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Est-ce que vous validez ce Waterblock ou est-ce que pour vous, un Water Cooling Custom ne doit pas avoir d'écran sur le bloc CPU ? Moi, je suis team écran, enfin team écran ou pas écran, mais je trouve pas que ce soit un souci qu'il y ait un écran. GQ refuse, GQ pas content, hashtag GQ pas content dans les commentaires. On attend vos avis dans les commentaires. Moi, ce que je vois surtout, c'est quoi ? J'espère que tu prendras pas une trop grosse carte à mère. Oui, bah oui, mais après, c'est comme tous les soucis, quoi. Enfin, c'est à chaque fois, c'est comme ça, tu vois. C'est faut adapter tout le matos en fonction de ton bloc. C'est comme quand tu prends un ventirad, tu vérifies que ça passe pour la RAM et tout, tu vois. C'est exactement on va passer sur le deuxième produit parce que là, pour le coup, celui-là, on l'aime bien tous les deux. Ouais, tout à fait. Nous sommes d'accord, c'est un nouveau boîtier de chez Aerocool. À défaut de faire des bonnes alimentations, ils ont fait un boîtier qui a l'air correct. Bah alors, moi, ce qui pas très gentil ce que j'ai dit. Ouais, non, parce que pour le coup, même les boîtiers sont pas tous ouf. Hein. Genre, hein. Moi, j'ai dit, ils ont fait un boîtier qui a l'air correct. J'ai bien choisi mes mots, attention. pour le coup, moi, de ce que j'en vois dans la vidéo, ça a l'air sympa. Alors, l'airflow ne sera peut-être pas le plus optimal, parce que tu vois la grille hein, en façade, tu vois que ça a l'air décalé, c'est fin, etc. Mais le truc qui me chagrine, c'est qu'on n'a pas de prix. Ouais, c'est ça. Mais après, Aerocool, ils sont pas chers hein, en général. Tu sais quoi, moi, ce boîtier, moi, je t'annonce 75 euros. Moi, je t'annonce... Connaissant Aerocool, on va être à 75, entre 75 et 85. Moi, j'aimerais bien moins cher, justement, tu vois. Annonce-moi mieux, genre annonce-moi 60 balles, tu vois. Là, grosse discussion, ça peut vraiment être intéressant. Et on garde un côté assez sympa. Bon, ça, même c'est si, vrai que ça peut être moins. Je sais pas, moi, je pense qu'on sera moins. Et j'espère, parce qu'il y a un truc, moi, qui me chagrine sur ce boîtier, c'est la plaque arrière. La plaque arrière, là où il y a les câbles, ça fait saut boîtier 2010, tu vois. Genre les boîtiers, tu sais, où ça te déformait la plaque arrière parce qu'il n'y a pas assez de place pour faire passer les câbles. Tout à fait. Donc, à voir. Moi, j'annonce 75 euros. Toi, tu annonces combien de gigs ?
Moi, je dis 60. Dites-nous dans les commentaires vos pronostics de prix pour ce boîtier aérocool. Moi, petite note quand même pour la façade en... Alors, aluminium brossé ou effet aluminium brossé, je pense que c'est plus un effet. C'est pas du haut de gamme, donc il y aura pas d'aluminium, je pense. Non. Mais en tout cas, j'aime bien cet effet-là. Ça rend bien, ça fait un peu classe, tu vois, comme boîtier. Donc, moi, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct à suivre, à voir le prix surtout. Zo Guillaume, bah voilà, on a fait le premier TKQ de cette année. Voilà. Numéro 1 sur 52. C'est ça. Plus que 5, plus que 51 à faire. Donc les amis, encore une fois, merci de nous suivre et surtout aussi longtemps sur les TKQ. L'engagement sur les TKQ est toujours, toujours plus grand. Pourtant, on n'augmente pas le format, donc c'est vraiment, vraiment cool. Et c'est le meilleur remerciement que vous pouvez me faire. Donc merci à vous d'être encore là sur la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain TKQ, Guillaume, bien entendu. Tout à fait, tout à fait. Et on se retrouve mardi à partir de 14-15h pour les conférences du CES. Petit rappel, 15h AMD, 16h Nvidia, 18h Intel, 20h Rogue et 21h MSI. Ce sera dispo sur mon live Twitch, sur le live Twitch de GQO. On vous attend tous et de toute façon, on sera ensemble en vocal, donc on sera toujours en train de parler. Dans tous les cas. Vous allez sur le live, sur celui de GQ, ce sera pareil. Voilà, donc vous avez toutes les infos et il n'y a aucune excuse. Allez, à mardi pour plus fidèles. Voilà, c'est ça. Et à dimanche pour tous les autres. C'était Guillaume et GQO. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.